Bonjour Pato. Tu n'aurais pas vu Pocoyo. Je le cherche partout. Il a dit qu'il allait m'apprendre un nouveau jeu. C'est chouette, non? Bon, si jamais tu le vois, tu me préviens, d'accord? C'est ça? C'est un arbre bleu ou alors une sorte de cheminée? Pourquoi rigoles-tu, Pato? Tu sais ce que c'est? Vraiment? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Peut-être que c'est... Oh, 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 vous avez vu? Ça vient de bouger. Oh là là, cette fois, je suis complètement perdu. Regardez, maintenant il y en a deux. Oh, j'ai trouvé. Si ça se trouve, ce sont des extraterrestres, des martiens. Et vous, les enfants, avez-vous deviné ce que c'était? C'est mon crayon. Mais bien sûr. En fait, c'était toi depuis le début. En réalité, je l'avais presque deviné. Encore deux minutes et j'allais le dire. Mon jeu. Ton jeu. Oh, j'ai compris, Pocoyo. Tu m'expliques que c'est le jeu que tu voulais m'apprendre. C'est en quelque sorte un jeu de devinettes, c'est bien ça? D'accord, alors on recommence. Ah oui, je sais, un martien. Très amusant, Pato, bravo. D'accord. Alors, réfléchissons. Ça ressemble beaucoup à une sorte de montagne? Non. Ah, ce n'est pas une montagne. Mais bien sûr, je le savais. Eh bien, d'accord, ce n'est pas une montagne. C'est... ne dis rien. Quoi? C'est la petite chenille? Ah, c'est plutôt inattendu. Non, je suis un peu perdu, moi. S'il vous plaît, les enfants, aidez-moi. Vous savez ce que c'est? C'est Ellie! C'est la tête d'Ellie! Ah oui, vous avez raison! C'est Ellie! Je le savais! Je faisais semblant de ne pas trouver! Je le savais depuis le début! Enfin, presque! On recommence! Oui, oui! Bonne idée! On recommence! Je me suis bien échauffé! Je vais trouver du premier coup! Tu ne vas pas avec tes amis, petite chenille? Oh! Ah oui, cette fois j'ai trouvé! Oh, c'est trop facile! C'est une fleur! Une grosse fleur rouge! Une fleur géante! Une fleur qui chante? Non! Ah, non, non! Évidemment. C'est un hélicoptère. Non, 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 ce n'est pas un hélicoptère, c'est un moulin. Un moulin qui chante. Non. Ce n'est pas que j'ai besoin d'aide, mais pouvez-vous me dire ce que c'est, les enfants? C'est Fred, la pierre. Oh, mais oui, bien sûr, c'est notre ami Fred. J'aurais dû le reconnaître tout de suite. Vous êtes très fort à ce jeu, dites-donc. On recommence. Oh merci, c'est gentil. J'ai une autre chance. Et cette fois, je vais trouver tout de suite. Ah,
Oh là là. Et c'est... Oh, non. Oh, ça alors. Tiens, coucou, bébé oiseau. Tu ne pourrais pas me donner un indice? Oh, ça y est, j'ai trouvé. Je sais ce que c'est. Mais oui, bien sûr. Non, je vous assure, j'ai trouvé. C'est bien. Non, je n'en ai aucune idée. Je suis désolé. Je suis complètement perdu. Et vous, avez-vous deviné? C'est Patou. Quoi? Mais oui, c'est lui, ce Patou. Mais évidemment. Mais attendez, c'est déjà terminé. On ne peut pas jouer une dernière fois? Je n'ai rien trouvé. S'il vous plaît, dites oui. Chouette, merci. C'est gentil. Je commence à bien comprendre ce jeu. Et croyez-moi, cette fois-ci, je vais deviner tout de suite. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je sais! Ça y est, j'ai trouvé, j'en suis sûr! Ce sont mes amis, Bébé Oiseau, Pato, Pocoyo et Ellie. Oui, c'est ça! Wow! Youhou!